José Garcia et Costa Gavras. Ça va, ça tourne, on va finir, on va plus finir. Hey, en tous les cas, le chauffeur de salle est bon. Le chauffeur est excellent. Très bon. Attention là, mes enfants. Hein. Vous avez un spécialiste, là, non, vraiment, hein, là, un accueil extraordinaire. Un très bon chauffeur de salle et un public exceptionnel. Voilà. Bien, alors... Ça fait une semaine qu'on vous voit tous les deux, tel Pipo et Dario font du cinéma. Hein, et oui, et Pipo et dans Dario. Tous les magazines, dans toutes les radios, dans toutes les télés, pour présenter votre nouveau film, Le Couperet, avec Karine Viard et Ulrich Toucourt. Alors, quelle a été l'émission la plus agréable? Mais celle-ci, bien évidemment. Ah, bien, très très bien, en tout cas. Quelle a été la plus efficace, à votre avis, sur le plan promotionnel? Mais celle-ci, j'imagine. Bien. Alors le pitch, bah, c'est très simple, en fait. C'est un chômeur qui est au bout du rouleau et qui décide de repérer les concurrents susceptibles de lui disputer le poste qu'il vise pour les tuer un à un. Voilà, c'est extrêmement fort. Il devient donc un serial killer, tout en continuant d'ailleurs à mener une existence tout à fait paisible avec sa famille, sa femme, qui est joué par Karine Viard, et ses deux enfants. C'est une espèce de conte amoral, une fable, une métaphore sur le monde moderne, quoi. C'est-à-dire que, en fait, vous poussez à bout l'idée, quoi. C'est-à-dire qu'on dit toujours dans les entreprises, celui-là, je vais le tuer, sauf que là, il tue vraiment, quoi, en fait. C'est ça, l'histoire, quoi. C'est l'ultralibéralisme dans toute sa splendeur, hein, c'est ça. Mais c'est vraiment fort, c'est vrai. Il est bon, hein, Garcia? Très bon. Hein? Très bon, il est excellent. Vous en avez eu des bons acteurs dans votre vie quand même. Oui, hein? C'est vrai. C'est vous n'êtes pas déçu, ça va? Vous non, êtes content? Ça va, il est content. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux votre caméra et vous allez dire Magnéto Serge. Ça, sûrement pas, on ne va pas t'aider sur ce coup-là. On va falloir t'aider un petit peu. Serge, tu t'en occupes, tu les prends en main, il y a de la rébellion là. Oui, mais on ne va pas se laisser faire comme ça, ça va être beaucoup plus dur. Serge, tu t'en occupes? Là, c'est jamais arrivé, ça partira pas. Non. Non? C'est jamais arrivé. Eh bien, Serge, on a toute notre nuit. On en a fait d'autres des sittings. C'est la première fois que des invités veulent pas dire Magnéto Serge. Bah, déjà, on ne connaît pas ce monsieur, donc il faut savoir qui. Puis un gars qui porte un nom de film célèbre, moi, ouais. Je ne parle pas. Il paraît que vous êtes croisé à l'aéroport. Tiens donc, mais oui, ce fameux Serge-là. Oui. Oh là là, voyou comme pas deux. Ah, d'accord. Bien. Régime pour des sorties du Magnéto, Thierry, applaudissements. Ah oui. Bien vu. Non, c'est con. C'est con, Serge. Elle est bien, la bande-annonce. Oh, laisse, elle est où, la cabine? Méline, si vous pouvez accompagner monsieur en régie, je crois qu'il faut... Il faut que ça s'arrange. Il faut que ça s'arrange entre eux. Comment ça se passe? Vous ennuyez pas avec lui? Ça va, là, il est plutôt... Ouais, il est sympathique, hein. C'est comme ça, sans arrêt. C'est comme ça, sans arrêt. Hey, vous passez une quinzaine formidable, vous. Plus Viard, ouais, qui oui, est très Viard. Nurieuse est aussi, c'est formidable. Oui. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'elle est excellente. Elle est formidable. Ouais. Ouais. Mais c'est des grands acteurs. Grande actrice. Lui, grand acteur. Il y a des bons acteurs en France en ce moment. Hein, ouais. Il y a toute une bande de jeunes acteurs qui sont très bons, là. Lui, il a un potentiel extraordinaire. Ah ouais. Il est sérieux, en plus, il bosse. Oui, pas mal, oui. Bon, il arrive en régie, là. Il est là... Ça y est, ils y arrivent. Ouais, regarde. Thierry. Oui, Serge. Il a pris la régie en otage. Il va se faire sauter avec la régie. Il s'en fout. Oh, il a lancé le magnéto, génial. Oh, vous êtes un pilier ici. On est trois, moi je suis le plus ancien. Donc le premier à gicler, forcément. Oui, mais vous avez l'expérience. Et c'est moi qui coûte le plus cher. Seulement j'ai un plan, si je perds mon boulot, je monte au bureau, je me tire une prune dans le citron devant eux. Meuvre.
Et. Et pourquoi vous tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres? Préventivement. Préventivement. Vous vous laissez pas abattre. Je sentais un pouvoir jubilatoire à lire les secrets de mes concurrents. Je découvrais qu'ils vivaient dans une ignorance abyssale. Certains empestaient la vanité. On sentait que nous avions appris à rédiger les CV. Ça pue le conformisme. Il n'y en avait que cinq qui, diplôme et carrière et surtout expérience, me paraissaient sinon meilleurs, mais aussi bons que moi. Une idée vertigineuse m'est venue. Costa Gavras, avec José Garcia, Karine Viard, Olivier Gourmet et Ulrich Toucourt, voilà. Alors, Costa Gavras, après Z, L'aveu, État de siège, Missing, Amen et plein d'autres, vous êtes toujours finalement dans un cinéma militant, quoi. Vos films veulent dire quelque chose. Je pense que beaucoup de cinéastes nous sommes inspirés de ce qui se passe dans notre société. Alors là, on attend. J'ai découvert cette histoire qui me permettait de parler de ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Avec, il est évident que ce que fait José, c'est-à-dire toute cette tuerie, ça, c'est vraiment une exagération. Ce qui est vrai, c'est ce qui se passe à côté. Parce que notre société commence à vivre ce que l'Amérique avait commencé à vivre il y a une vingtaine, une trentaine d'années, c'est-à-dire le libéralisme dont vous parliez tout à l'heure, dont je parle aussi, l'ultra-libéralisme, c'est terrible, où oublie un peu l'homme et il met en avant l'économie à la place de l'homme. Et l'homme vient après. Oui, c'est même pas l'économie, c'est la finance. C'est-à-dire que c'est même plus une dimension économique. C'est-à-dire que c'est les actionnaires qui dirigent les sociétés. C'est les retraités qui sont en Floride, les fonds de pension. Et finalement, pour les satisfaire, on délocalise. Et c'est ce qui arrive au personnage qui est joué par José, quoi, qui est un mec qui est bon. C'est pas un loser, c'est pas un raté. C'est un type qui est très haut dans la société. C'est pas un moment où on le vire, quoi. Il est excellent dans son boulot. Il est très bon père de famille. C'est un mec formidable. Ouais. Et puis, à un moment donné, il déjante un peu, parce qu'il dit, voilà, je ne peux pas avoir mon travail, et il fait sa guerre. Il le fait pour sa famille. Pour sa famille et pour sa vie, pour sa normalité. Parce qu'il est comme beaucoup de gens qui ont organisé leur vie autour d'un salaire. Mmh. Et le jour où ce salaire se perd, tout commence à se défaire. Ouais. Il paye sa maison à tempérament, donc il risque de la perdre. Mais il a encore pour 10 ans, la maison. Exactement. Ouais. Donc, dans quelques mois, il risque de ne plus pouvoir la payer et la perdre complètement. Il n'a plus les mêmes moyens pour vivre tous les jours. Il ne peut pas manger du steak tous les jours, il mange des patates. Ouais, il bouffe des pâtes. Ouais. Voilà, des pâtes, et ainsi de suite. Et la famille commence à se défaire aussi en même temps. Bravo, José. Merci. Alors, votre légende que nous avions commencé à établir ici quand vous êtes venu, finalement, aujourd'hui, c'est devenu une partie de l'histoire du cinéma. Parce que j'avais commencé à raconter un peu votre vie, et puis là, je vois que maintenant, les télés l'étalent toute la journée. Vos parents, gens de maison, votre BEP raté, l'armée à 17 ans et demi, les galères, 12 ans avant, parce que nous, on l'a connu à NPA. Avant NPA, il a quand même fait 12 ans de petites compagnies théâtrales et... Ah ben ça, c'était le bon côté. Ouais. C'est la légende de José Garcia. Et puis le succès populaire comique avec La Vérité si je mens et Jet Set. Et puis le grand film. Voilà, le grand film. Ça, c'est du pot. Parce que tous les comiques, tous les gens comme ça, un peu, on leur dit toujours, quand est-ce que tu vas faire ton Ciao Pantin? C'est Michael Youn, on lui rabat les oreilles avec ça. La chance que vous avez eue, c'est de faire un personnage sérieux avec un réalisateur classe, quoi. Ouais, ça c'est le sublime cadeau. Et ça, c'est extraordinaire. Il y avait eu le film de Philippe Harel, Extension du domaine de la lutte, où déjà il y avait ça en filigrane, quoi. Oui. Alors c'est vrai que les comiques, on attend toujours qu'ils fassent leur grand film sérieux. Mais toi aussi, tu le feras un jour, j'espère. Oui. Évidemment, tuer José Garcia pour y arriver. Oh, moi, ça y est. Il y a eu Coluche, avec Ciao Pantin, il y a eu Bourville, il y a eu Fernandel, il y a eu Rému. Enfin, il y a eu plein d'acteurs comiques qui, un jour, sont passés dans le film sérieux. Et finalement, ils font les meilleurs drames, les comiques, non? C'est vrai. Qu'ils ont un certain rythme. Ils ont d'abord une sympathie formidable, la sympathie du public, qui est très importante. Mais aussi, je pense qu'ils ont le rythme que beaucoup d'autres acteurs n'ont pas vraiment. Parce que le comique demande un travail énorme, c'est le genre le plus difficile quand même. Oui, c'est vrai. Alors vous travaillez comme un fou, non? Prenez ça très au sérieux, hein?
Ah oui, bien sûr. Oui, Est-ce que vous prenez pas ça un peu trop au sérieux? Parce que des fois, je me dis, quand je vous vois, bon, vous êtes excellent, mais je me dis, il manque peut-être un peu de légèreté des fois, parce que vous êtes quand même genre... je parle dans la vie, je parle pas à l'écran. Non, hein. Mais c'est possible, oui. Ouais. Mais de toute façon, vous savez, je crois que c'est le travail, c'est de faire les choses sérieusement, mais aussi avec un petit peu de légèreté. Donc, ouais. Il y a des moments, il faut... Mais vous savez, à chaque fois qu'on a un film qui sort, c'est vrai que vous essayez des trucs dedans, quelquefois... Vous prenez des gros taquets, quoi, et ouais. Ça se voit devant, vous êtes devant tout le monde, de toute façon, ça se voit. Hein. Ouais. Moi, je sais, quand je suis avec d'autres acteurs, surtout en comédie, on commence, on s'assoit, on regarde les gens, on s'installe, et puis on descend, et puis au bout d'un moment, on se crispe la tête sous le truc, ouais. Et on voit jamais personne. Donc c'est très délicat, ouais. J'imagine que tous mes confrères vous ont demandé si vous tueriez pour prendre la place d'un acteur. Et vous avez dû répondre, pour jouer, il faut être deux, et moi, ce que j'aime, c'est le partage, non? Oui, voilà, c'est ouais, bah ça, ouais. Voilà. Vous avez lu pas mal de trucs, là, dernièrement. C'est pas ça, c'est que, bon, c'est ce que j'aurais répondu aussi. Oui, voilà, c'est classique. C'est bien. Vous avez des réponses, comme ça, vous faites d'émission en émission? D'émission en émission, non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on a fait la promo province, ouais. Et tout ça, il y a aussi des... En tout cas, une façon d'agencer les phrases qui vient généralement dans le bon sens, oui, dans le même sens. Et ça devient casse-couille au bout d'un moment, non? Ça devient pas casse-couille, parce qu'en fait, les gens découvrent à chaque fois, ils vous posent la question, ils ont l'impression de la poser pour la première fois. Ah ben, c'est ça. Donc, il faut leur répondre comme pour la première fois. D'accord, quel comédien, d'accord. Ah ben oui, c'est mon boulot. Oui, c'est vrai, en même temps, oui. Bon, financièrement, ça va? Oh, super bien. J'ai vu que vous étiez le 9e revenu du cinéma français. Eh oui, il m'en reste encore 8 à... À tuer. Mais ça va venir. Ma coche. Alors devant lui, voilà, il y a Jean Reno, Depardieu, Michael Youn, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Daniel Auteuil, Catherine Deneuve, voilà. Oui, je suis ex-aequo avec Isabelle Huppert. Ouais. Il y en a qui ne sont pas jeunes maintenant. Oui, non, mais bon. Tu n'as pas besoin de les tuer en même temps. En même temps, c'est des gars établis. Non, ouais. Mais il y a des jeunes gars qui sont arrivés devant, ouais, comme ça, bien. Qui ont doublé dans le virage. Ouais. Ça, c'est pas bien. Alors, José, voilà. Maintenant, vous êtes un vrai acteur dans des vrais films sérieux avec Costa Gavras et tout. Hein. C'est plus de la rigolade. Hein. Voilà, maintenant, c'est cool. Ouais. J'ai mis les rayures dans l'autre sens. Ouais. J'ai vu. Et on va faire une interview grand acteur. Alors, José Garcia, maintenant que vous êtes un grand acteur, est-ce que vous allez refuser de parler de votre vie d'avant? Ah non, jure, sûrement pas. De toute façon, elle me colle au cul. Je peux rien y faire, ça. Est-ce que vous allez dire Gérard pour parler de Depardieu? Non, moi je dirais GG. Est-ce que vous allez vous faire payer en liquide pour aller dans des soirées? Ah, ça j'aimerais bien, mais j'ai pas trouvé le filon. Ça fait des années que je cherche le filon. D'ailleurs, je fais une annonce. Hein. Ouais. C'est des petites soirées un peu pourraves. Casque en mallette de cash, je suis partant. Avec un portable. Est-ce que vous allez refuser de parler de votre vie privée? Parce que tu comprends, c'est privé, quoi. Oui, ouais. La vie privée, c'est privé. Ouais, ben oui, c'est bien ce que je dis. Donc, oui. Voilà. Est-ce que vous allez commencer toutes vos phrases par « personnellement, ce que j'aime dans le cinéma » ? Ah non, ça, je ne pourrais jamais. Alors d'accord. Ça, c'est une phrase avec Poulvord, on s'est toujours marré en disant « il y a une phrase qui surtout au César, qui peut vraiment vous mettre dans le mur, c'est « le cinéma, c'est oui, voilà. juste derrière, va t'écraser tranquillement. » C'est vrai. En plus. C'est super dur, non. Et puis moi, de toute façon, en 5 minutes, j'ai toujours une photo de moi bien en grosse, donc... Ouais, c'est vrai, en même je temps. Je suis à l'abri de tout ça. Il y a des archives sur vous. Voilà. Ouais. Est-ce que vous allez porter des lunettes noires la nuit? Ah, si je suis bourré, il n'y a aucune raison que je ne le mette pas, bien évidemment. Et des chapeaux de mes mères. Est-ce que vous allez vous faire offrir tous vos vêtements maintenant que vous êtes un grand acteur? J'adorerais, mais là aussi, je n'ai pas encore pas. Le bon filon. D'accord. Non. Vous avez quitté votre femme? Ah non. Ah non. Ah non, non. C'est normalement, quand on réussit, on quitte... Non. Oui, non, mais ça serait idiot. Là, ça serait quand même... C'est comme me couper une jambe. Non, ça serait d'accord. bête, oui. Très bien. Vous allez recevoir des scénarios avant Gérard Lanvin, maintenant? Surtout pas, j'ai pas envie de me faire péter la gueule, non. Non, non. Est-ce que quand vous voulez dîner tranquillement, vous allez réserver toutes les tables dans le restaurant maintenant? Non, vous savez, il suffit que j'arrive avec un ami belge, ouais. Et puis au bout de 5 minutes, les tables s'en vont tranquillement, avec tout le volume, trop de sonore. Est-ce que vous allez appeler Scorsese pour lui dire que son dernier film est pas mal? Bah, si je chope le numéro, pourquoi pas, on peut toujours s'amuser un samedi soir. Est-ce que vous allez comparer la taille de votre limousine avec celle d'un autre acteur? Vous savez, moi je suis en smart, alors si je commence à me mesurer là-dessus... Pour vous, la taille, c'est pas important? Bah, disons que je fais avec. Vous allez exiger une doublure pour les scènes de nu? Ah non, je ne fais pas de scènes de nu. Et puis, si je pouvais m'offrir une doublure, ça serait très drôle. Ouais. En parlant de ça... vraiment un mec collé, blond, généralement, ça serait très drôle, oui. Et à un moment, vous êtes torse nu dans le film? Ah oui, peut-être, vous êtes baraqué, hein? Très, très haut. Hein? Un baraqué, hein? Non, c'est que je suis en petit en densité, et c'est vrai que la caméra, ça grossit. Faites de la muscu?
Un petit peu, oui. Ouais, ça se voit. Il m'arrive aussi d'aller dans des hammams. Ah. Est-ce que vous allez demander de l'eau minérale pour vous laver les cheveux? Ah non. Ouais. De la bière, c'est très bon la levure. Ça se voit d'ailleurs. Sont, oui, oui, j'ai des cheveux sublimes. Est-ce que vous allez dire oui à des films sans lire le scénario, juste en lisant le chèque? Non, mais ça pourrait m'arriver. Si j'étais vraiment dans la panade, ouais, ouais. Oui. Maintenant, vous êtes un grand acteur. Est-ce que vous allez refuser de revenir dans cette émission? Ah non, non, non. Bah maintenant que je suis un grand acteur, je peux venir à souhait. Voilà. Je peux? Quand vous voulez. Eh ben, t'as pas fini de venir. Voilà, je couperai. Avec José Garcia, Karine Viard, Olivier Gourmet et Ulrich Toucourt. Alors là, Méline, il y a un nouveau truc dans cette émission, c'est la carte. Faut que je retourne en régie. Ça peut arriver. Attention. Quoi? Quoi, je prends une carte? Une? Lâche. Dio. Vous devez porter un grand chapeau pendant 10 minutes. J'ai l'habitude du poker, hein. Eh oui. Eh ben moi je dis 50 et toi? Et qu'est-ce qu'il y a sur la carte, on dit José? Eh ben faut mettre 50. Je sais ce qu'il y a sur la carte. Vous faites 50, je double. Vous devez porter un grand chapeau pendant 10 minutes. C'est pas truqué. Je viens pour un film sérieux. Un film sérieux. Un film avec Costa Gavras. Les Noirs à faire un film sérieux depuis des années. Et ça se termine en pantomime. Voilà. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.